Aujourd'hui, nous plongeons dans la biographie de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est né le 20 décembre 1998 à Paris, dans une famille imprégnée du monde sportif. Son père, Wilfried Mbappé Lotin, ancien joueur de football devenu entraîneur, et sa mère, Faiza Lamari, ancienne handballeuse, ont élevé Kylian dans cet univers. Son frère de cœur, Jire Kembo Ekoko, également joueur de football professionnel, a également contribué à son éducation sportive. Après avoir obtenu son baccalauréat STMG en 2016, Kylian décide de se consacrer entièrement au football, sa passion de toujours. Très vite, Kylian Mbappé se fait remarquer comme l'un des talents exceptionnels de sa génération. Son style de jeu rapide et sa capacité à dribbler avec aisance lui valent des comparaisons plates avec des légendes comme Thierry Henry. Malgré sa taille modeste des 1m78 et son poids de seulement 75 kg, il surpasse souvent ses adversaires grâce à sa vitesse et sa technique. En 2015, il rejoint l'AS Monaco, où il remporte le championnat de Ligue 1 lors de la saison 2016 à 2017. Ce succès le propulse parmi les meilleurs espoirs mondiaux du football. Sa première sélection en équipe de France intervient en mars 2017, sous la direction de Didier Deschamps. Peu après, il rejoint le Paris Saint-Germain, PSG, renforçant ainsi son statut de joueur d'élite. En juin 2018, il participe à la Coupe du Monde en Russie, où l'équipe de France décroche la victoire. Le 9 novembre 2022, Didier Deschamps annonce la sélection de Kylian Mbappé parmi les 26 joueurs de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2022. Le 18 décembre 2022, lors de la finale contre l'Argentine, Mbappé inscrit 3 buts, dont 2 sur pénalty, battant ainsi un record datant de la Coupe du Monde de 1966. Bien que sa performance le consacre comme meilleur buteur de l'histoire du PSG, la France ne remporte pas le match. Le 20 mars 2023, il est nommé capitaine de l'équipe de France, succédant à Hugo Lloris. Cependant, malgré sa renommée sur le terrain, Kylian Mbappé reste très discret concernant sa vie privée, aucune relation amoureuse n'étant connue publiquement à ce jour.